L'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a organisé dimanche dernier le congrès pour renouveler son bureau régional de la baie. La cérémonie s'est tenue en présence des responsables du bureau national de l'Union, des autorités locales et des présidents des chambres préfectorales et régionales du commerce de la cité de Karamoko-Alpha-Molabé. Le nouveau bureau, composé de 25 membres, sera à son tour chargé de la mise en place des autres démembrements. Sali Bilalisso. C'est dans le nouveau local de la Chambre régionale du commerce et d'industrie de la baie que le congrès a eu lieu. Les représentants des boulangers et pâtissiers des 5 préfectures qui composent la région administrative ont également répondu présents. Nous avons été chargés de venir superviser les élections du bureau régional des boulangers et pâtissiers de la baie. J'avoue que tout s'est bien passé. Le vote a été fait par consensus. Il a été élu un bureau régional de 25 membres. Le pain est un aliment même indispensable à la vie de l'homme. Donc nous leur avons demandé d'être vraiment conséquents envers d'abord eux-mêmes, envers la population et envers les boulangers qui les ont mandatés ce soir. Le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a invité le nouveau bureau à se mettre au travail et d'être au service de la population. Ça a très bien passé. Il y avait toutes les préfectures qui sont représentées, que ce soit Lenoma, Koubia, Tougué et Mali, et la ville de Labé. J'aurais conduit Fode Kaba comme président de l'Union régionale de Labé. Le bureau régional, on ne demande pas les boulangers de Labé, c'est le délégué de Labé, ce sont 5 ou 6. Ce sont eux qui doivent voter. Ce n'est pas tous les boulangers. Les boulangers de Labé votent que pour le préfectoral. Le nouveau président de l'Union régionale des boulangers et pâtissiers de l'Abbé mesure déjà l'immensité de la tâche qui l'attend. Vraiment, je suis ému depuis le titre, le fait que je suis élu encore. J'étais dans un bureau, franchement, je suis le vice-président à travers mes activités. Je sais que je peux être maintenant président d'une région. Aujourd'hui, on a fait une consensus, on m'a élu comme président régional des boulangers et pâtissiers de la Guinée. Comme vous le savez, être là-bas, ce n'est pas le plus facile. On va essayer de faire notre mieux, Inch'Allah, à travers la population. La Guinée bat le record en Afrique dans l'immigration irrégulière. Chaque année, des milliers de jeunes clandestins perdent la vie dans la Méditerranée, voulant se rendre en Europe à la quête d'un bonheur qui n'existe pas. Pour inverser la tendance, un atelier de 2 jours a été ouvert ce mardi 22 janvier 2019 à Conakry. C'est un financement de l'Organisation internationale de la migration à travers le Fonds Afrique alloué par le Parlement italien. Malik Sandiana Camara, Tierno Sadouba. Sur la route de l'Europe, des milliers de Guinéens perdent la vie dans le désert ou dans la Méditerranée. Nous parlons de l'immigration irrégulière. Cette triste réalité amène le gouvernement guinéen et celui de l'Italie à conjuguer les efforts pour trouver une solution à ce fléau. Nous faisons partie des pays qui ont un grand nombre de ressortissants un peu partout dans le monde. Et c'est un problème qui interpelle le gouvernement de la République et en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères et de Guinée de l'étranger. Ici, l'idée de cet atelier est venue lors des discussions qu'on a eues avec les représentants du gouvernement d'Italie. Et nous avons eu l'idée donc de voir qu'est-ce qui est possible de faire ensemble donc, pour essayer de freiner ou de limiter en tout cas la migration irrégulière. Selon l'ambassadeur italien, 12 000 migrants clandestins de nationalité guinéenne ont été accueillis par l'Italie en 2018. Lors de la traversée, ajoute-t-il, 2% des migrants meurent dans la Méditerranée. Il faut dire avec toute clarté que la migration irrégulière est une grande tromperie. Il faut le souligner parce que tout ça est aux dépenses des migrants, des jeunes qui pensent de trouver quelque chose qui n'existe pas en Europe et ils vont vivre dans une condition presque d'esclavage. C'est aux dépenses de l'Italie, de l'Europe, des pays européens et de la Guinée aussi, parce qu'une Europe plus pauvre, plus illégale et plus dans le chaos
dans toute cette situation, même la Guinée n'a rien à gagner. À l'issue de cette rencontre entre les différents acteurs concernés par la migration et le développement, des recommandations seront faites pour définir le rôle de chacun dans la gestion de la migration irrégulière. Depuis près de 30 ans, un groupe de jeunes bénévoles nommé Cosmos travaille pour entretenir des personnes en état de dépression mentale. À Cancan, ils sont des dizaines de fous qui sont chaque semaine récupérés et entretenus. C'est un grand format de la rédaction proposé par Babou Kondé et Lamine Silla. Vendredi 18 janvier, une dizaine de jeunes partent du fleuve Milo pour le centre-ville de Cancan. Des jeunes mènent l'assaut contre des personnes qui ne disposent pas de toutes leurs facultés mentales. Ce groupe de jeunes est conduit par cet homme, Bangali Kourouma, alias Alvaro. Alvaro et son équipe, en pleine opération, rencontrent deux premiers individus, dont l'image dit tout sur leur mental. Ils sont attachés l'un contre l'autre par les chemises, histoire d'organiser un mouvement d'ensemble. Parmi ceux qui sont déjà arrêtés, certains se retrouvent et expliquent les faits à l'origine de leur maladie. Ah, les stupéfiants. La drogue. Ah, fait ça. Hein. Vous en consommez? Oui, j'en consomme. Si vous gagnez maintenant, c'est bon? Si je gagne? Ah. Mais d'ici, je vous dis que je consomme. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Non, je suis malade, je n'ai pas besoin de plaisanter, monsieur. Je cause avec vous difficilement. À les écouter, certains nous donnent l'impression d'être normaux, pendant que d'autres, leurs propos démontrent qu'ils souffrent d'énormes problèmes mentaux. Bon, ni jamado de Benyoran fait. C'est pas pour me défendre l'OBLG avec le non. Je te dis que je suis le professeur en lettres industrielles. Il y a pas, je suis imbattable. Ce groupe de jeunes nommés Cosmos ne se décourage pas. Malgré qu'au cours du trajet, les risques sont grands. Il encaisse des coups, parfois mal menés, même blessés. Regardez ma main. Je suis blessé pour ça, mais le gouvernement. C'est le fou qui m'a blessé, mais le gouverneur m'a traité, il m'a acheté les médicaments. On fait pour que la Guinée soit avancée, parce que j'entends que c'est la première fois dans le monde que le travail là, ça se fait. Les jeunes Cosmos poursuivent leur quête, espérant retrouver d'autres fous très sales qui pourraient laver juste pour quelques jours. Au marché comme dans les quartiers, les citoyens par pitié réagissent. En donnant des prix de savon, des lames et d'autres des habits. On doit contribuer pour la société. Les gens là aussi, je crois qu'ils ont le droit de vivre mieux comme nous. Hein? C'est le destin, c'est Dieu qui a fait ça. Ils sont malades aujourd'hui. Mais nous, qui sommes par la grâce de Dieu en bonne santé, on doit contribuer aussi pour penser que vraiment, qu'ils sont des êtres humains comme nous. Quoi. Seulement, ils sont malades. Quelques heures de recherche dans la ville de Cancan. Alvaro et ses lieutenants se rendent compte que la chasse a été fructueuse. Direction donc le fleuve Milo, où ces fous rassemblés seront lavés, d'autres rasés et relâchés après. Apparemment, beaucoup se sentent mieux après avoir été débarrassés des saletés qui les empêchaient de sentir l'oxygène. Aération, c'est-à-dire l'oxygène, je vis dans l'oxygène maintenant. À l'heure de la prière du vendredi, ils s'alignent pour s'acquitter du devoir religieux. Parmi eux, un imam est choisi. Ahmed wala le sidina on di wa salamanta sidima. Ano selima enklan ka nema sa na mo ba pri bela de animal ok. Mais l'entretien des fous, le Cosmos rencontre plusieurs difficultés. Voilà un qui lave le monsieur, mais il n'a rien, il n'a pas le gant, rien. Donc il n'a pas de protection. Lui il peut se contaminer parce qu'il y a des fous qui font des choses qu'on n'aime pas voir. Personne n'aimerait voir ça. L'implication du gouvernement est plus que jamais nécessaire. Le Cosmos de Cancan veut attirer son attention en vue de doter la commune d'un centre d'accueil pour une assistance sociale. On aimerait que pour avoir l'assistance de quelconque personne, parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'État seulement, tout le monde a quelqu'un de la famille qui est fou, ben, n'importe quoi. S'il y avait un lieu comme lequel, des cabanons, qu'on peut faire en Cancan, les fous, ils peuvent rester. Malgré les efforts fournis par ces jeunes, beaucoup reste à faire. Ici à Cancan, la folie ne se résume pas seulement qu'aux hommes. Dans la ville, nous rencontrons aussi des folles qui ne sont pas prises en charge par les jeunes du Cosmos. Tous garçons,
en raison de la différence du sexe. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.